Trois décès par noyade sur les plages de Gironde ce week-end, une opération de recyclage des cartables usagés en prévision de la rentrée des classes, et enfin les Girondins qui s'inclinent face à Toulouse 2-1 en championnat de France de Ligue 1. Bienvenue dans votre édition du 20 août. Un jeune homme de 21 ans est décédé ce dimanche à l'hôpital Pellegrin après avoir reçu une balle dans la tête. La victime avait été déposée samedi vers 22h30 aux urgences de la polyclinique Bordeaux-Rive-Droite à Lormont par deux individus. Il s'était éclipsé aussitôt. Peu après, la police intervient sur une tentative de cambriolage sur la commune de Florac. Les agents tombent alors sur une voiture, à l'intérieur deux hommes de 24 et 26 ans dont l'un porte des vêtements maculés de sang. Ils auraient alors reconnu avoir emmené aux urgences de la clinique de Bordeaux-Rive-Droite une connaissance qui se serait blessée. Elle-même. Ces deux hommes ont été placés en garde à vue samedi. Le parquet, de son côté, a ouvert une enquête pour homicide. Un homme de 79 ans est mort noyé ce dimanche en milieu d'après-midi au large de la plage centrale d'Arcachon, en dehors de la zone de baignade surveillée. Une noyade accidentelle qui intervient deux jours après le décès d'un autre baigneur sur cette même plage. Vendredi en fin d'après-midi, cet homme de 64 ans est décédé suite à un malaise dans l'eau. À Soulac, c'est un homme de 49 ans qui a perdu la vie en se noyant sur la plage du Signal samedi. Il avait tenté de porter secours à son fils en difficulté dans un courant de baïne. Une enquête publique commence ce lundi à propos de la desserte routière sud du bassin d'Arcachon. Les plans des futurs travaux sont consultables dans les mairies de Gujan-Mestras et la de buche Ce chantier qui doit commencer début 2019 vise à doubler la voie de la Nationale 250 entre La Hume et Gujan-Mestras et de construire en 2020 deux échangeurs sur la 660 à la place des deux ronds-points souvent saturés. Le coût de ces chantiers est estimé à 55 millions d'euros. C'est la COBAS, la communauté d'agglomération du Sud-Bassin, qui va les financer. Chaque jour, entre 25 000 et 30 000 voitures empruntent cet axe routier. La rentrée c'est pour bientôt, il ne reste plus que 15 jours pour faire ou compléter la liste des fournitures scolaires. Une coopérative solidaire, le Relais, situé à Bordeaux, récupère des cartables usagés auprès des enseignes de supermarché pour les revendre ensuite à moindre coût dans son réseau de distribution. Reportage de Arnaud Gruet. À quelques semaines de la rentrée, les clients commencent à affluer dans les magasins de fournitures scolaires. Stylos, cahiers de brouillon, classeurs, tout y est. Et pourquoi pas un nouveau cartable même si le vieux est encore fonctionnel alors, pour un site au recyclage, ce distributeur propose de les récupérer. Plutôt que de le jeter, il est effectivement plus intéressant pour tout le monde de le recycler. Donc, nous, nous vérifions l'état général du cartable de manière à ce qu'il soit réutilisable. Et s'il est repris, nous donnons un avoir, un bon achat. On a une trentaine de cartables que l'on a récoltés depuis une quinzaine de jours. Et là, les, les volumes vont monter dans les semaines qui viennent. Et on espère pouvoir donner au relais une bonne centaine de cartables d'ici à, à mi-septembre. Une fois que le magasin a récolté suffisamment de sacs usagés, ils sont acheminés directement aux bandes de collecte de textiles. Le relais prend alors la main sur la suite des opérations. Dans ce hangar de 2000 mètres carrés en banlieue de Bordeaux, 20 tonnes de textiles en tout genre sont triées chaque jour et quelques cartables se sont glissés dans le lot. Il euh, y a une partie qui va être remise dans nos boutiques d'un et une partie qui va être envoyée à l'export dans nos relais africains. D'où l'intérêt de donner des cartables qui sont en bon état parce qu'ensuite ils vont être réutilisés pour d'autres personnes qui ont peut-être un petit peu moins de moyens mais qui ont aussi besoin de faire leur rentrée scolaire. Et nous ici ça va nous permettre de trier, donc de créer de l'emploi supplémentaire et aussi de sensibiliser les personnes au réemploi de leurs textiles, maroquinerie, chaussures. L'opération Cartable se poursuit jusqu'au 9 septembre. L'année dernière, elle avait permis de collecter près de 300 000 sacs scolaires partout en France. Deux défaites en deux journées du championnat de France de Ligue 1 pour les Girondins. Les Bordelais s'inclinent face à Toulouse 2-1. Avec zéro point marqué, ils pointent à la 18 e place du classement de Ligue 1. Le contexte du renvoi de Gustavo Poyette du poste d'entraîneur des Mariners Blancs vendredi dernier pèse peut-être dans ce résultat. D'ailleurs, du fait de cette crise au sein du club, tous les entraînements au auront lieu à huis clos cette semaine. Les prochaines rencontres prévues pour les Marinés Blancs auront lieu jeudi à Gand, en Belgique, dans le cadre des matchs de barrage en Liga Europa, puis ce sera dimanche face à Monaco au stade Matmut, dans le cadre de la troisième journée du Championnat de France. C'est un marocain néerlandais de 24 ans, Ramzi Boukiam, qui remporte le Lacano Pro ce week-end dans la compétition homme. Il s'impose en finale face à un Australien, Kalani Ball. Ces trois dernières années, le titre avait été remporté par des surfeurs français. Chez les féminines, c'est une Australienne de 14 ans, Zali Kelly, qui s'impose dans la compétition face à une réunionnaise, Kanel Ballard. Et justement, ce quitte sur quelques images de ces deux finales du Lacano Pro.